Je suis Patrice Chapon, torréfacteur et chocolatier. Pourquoi torréfacteur ? Parce que j'ai décidé depuis maintenant 10 ans d'aller sur les plantations et de torréfier moi-même mon cacao pour obtenir mon propre chocolat. Cette boutique a une histoire puisque c'était il y a 2 ans, pendant à peu près 20 ans, un torréfacteur de café. Donc ça pouvait être une suite logique que de devenir une torréfaction de cacao. Alors le concept Chapon et la chocolaterie a été créé pour montrer, informer nos amis consommateurs comment on fait le cacao. Avant de parler de chocolat, dans cette boutique, nous parlons cacao. Nous allons expliquer comment nous fabriquons, nous allons fabriquer devant les clients et nous allons, entre guillemets, on pourrait même parler d'éduquer au bon cacao. Vous allez y retrouver une grande série de tablettes de chocolat de au moins une quinzaine de provenances, donc tous des pures origines. Ensuite, une gamme de tablettes aussi, mais là avec des mélanges, où là je vais additionner plusieurs origines. Vous allez y retrouver aussi un coin enfant, parce qu'on n'oublie pas nos bambins. Ensuite, vous avez un meuble qui accueille le fameux bar à mousse au chocolat que j'ai inventé il y a une dizaine d'années, qui consiste à prendre des pures origines de cacao et de faire ce fameux dessert qui est encore le dessert le plus consommé par les Français. Et puis nous avons aussi, ce qui est très rare de trouver, le fameux musilage. Le musilage est la pulpe qui recouvre la fève de cacao au moment de sa récolte. Nous arrivons à l'obtenir et à la court-circuiter, si je puis dire, pour en obtenir en forme de boisson. Alors il faut venir dans cette boutique Chapon et la chocolaterie pour y découvrir tout simplement l'univers du cacao, ce que aujourd'hui on a tendance à ne pas connaître parce que c'est un vrai métier avec une vraie histoire et derrière il y a un produit qui est donc, je vous le rappelle, un produit totalement sain.